Un nouveau professeur rejoint l'Institut Auguste Armand. Celui-ci sera interprété par la comédienne Virginie Cagliari. Celle qui s'est fait connaître pour son rôle de Mathilde Delmas dans Section de recherche se glisse cette fois-ci dans la peau de la chef étoilée écolo Olivia Listrac, si est une chef dans l'air du temps, 100% vegan et locavore, ne cuisinant que des produits qui viennent de moins de 100 km de son restaurant. Nous a expliqué la comédienne de 43 ans, lors d'un entretien accordé à Téléstar en kiosque ce lundi 19 avril. Un personnage militant qui cache également certaines fêlures, qui ne manqueront pas d'être explorées au fil des épisodes. Elle a passé sa jeunesse en foyer, connu les difficultés de la vie, mais reste très ouverte et fait passer ses messages avec beaucoup d'amour, précise Virginie Cagliari, qui est ravie d'incarner ce nouveau rôle. Les auteurs m'ont vraiment gâté. Cette Olivia me plaît tellement que je me demande comment elle ne pourrait pas séduire le public. Virginie Cagliari avait déjà passé des castings pour jouer dans la série Si elle est heureuse de rejoindre le casting de Ici tout commence. Virginie Cagliari n'était pas à son coup d'essai. L'actrice nous a révélé avoir passé des castings pour deux autres rôles dans le feuilleton, qui lui sont malheureusement passés sous le nez. Au début, j'avais passé des essais pour le rôle de Claire Guinot, obtenu par Catherine Marchal. Puis j'en ai repassé d'autres pour celui de Delphine Delobel, finalement joué formidablement par Christelle Reboul. Loin d'être passé inaperçu auprès des producteurs, ces derniers ont fini par la rappeler. Comme la production m'avait apparemment apprécié, elle m'a demandé de revenir pour Olivia, s'est réjouie Virginie Cagliari. Une belle preuve que la persévérance finit toujours par payer. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 19 avril.